Tu as vu une fille belle qui dépasse toutes les filles du village ici? Je n'ai pas vu ici. Elle s'appelle Laetitia. Tu as suivi. Je l'ai déjà vu, mais le nom, je ne connais pas. Il sait qu'elle est belle, brune. Toi, la dernière fois que je t'ai vu dans ce village, tu t'es assise là. Tu as mangé toute la nourriture du deuil. Hein? Maintenant, tu es venu là comme ça, avec ton gros corps comme ça. Tout tu penses qu'il y a encore deuil? Tu peux encore manger? Alors que c'est vrai ce qu'on dit. Tu ne mangeras plus, il n'y a pas deuil. Oh putain, ça c'est pas un bandit. Tu as dit? Non, je demande à vous. Attends, tu as dit quoi? Je demande à vous quoi? Attends, tu as dit quoi? Je n'ai rien dit. Tu m'as je n'ai pas dit ça, j'ai dit grand. On se connaît. Hein? Non, grand. Tu me traites de bandit? Sortez, allons au champ. Laissez-le à la mini-jupe pour partir au champ. Elle m'a la vie, la joie. Son problème, l'essentiel, c'est qu'elle travaille. Voilà. Mais maman, toi, tu as la rage. Oui, descendez, c'est quoi? Le même jour qu'on arrive, on peut au champ. Est-ce qu'elle veut savoir si vous êtes venu ou pas? Moi, je veux. Allons au champ. Et on peut au champ sans manger. Manger. Tu es venu manger. Tout pour toi, manger. My God, tu vas arriver au champ, tu vas chercher ce que tu vas manger. My God. Tu peux avoir le sac à main, mamie. Allez, dépasse-moi ça. Tu cherches la matière, tu viens avec. Regardez-moi la magie. La oh, tu parles au bureau, maman. Tu parles au bureau. Tu as l'habitude de livrer en gros. Livrer. Tu n'as pas même le sac là-bas. Man, les babas, ils sont pas au champ, ma ouais. Attends, c'est anti-moustique ou bien c'est parfum? C'est le parfum, même. Tu te parfumes pas, le chat. Tu ne veux pas. Tu prends un spectacle. Pardon, maman, part. Maman, part au champ. Vous avez compris qu'il y a l'orchestre qui joue ici en bas. Quand vous allez séduire les guitaristes. Mais vous ne pouvez pas faire votre fête là-bas. Mets le parfum là-bas dedans. Et tu me cherches la matière, tu ne comprends pas. Maman, mets le parfum dedans. Descends. Okay. J'ai une question. Pour qu'on arrive au champ, elle soit là. J'ai une question. On va manger quoi là-bas au champ? Pardon, dégage là-bas. Consommatrice. Allez, va au champ, tu vas brûler la banane, tu vas manger. Est-ce qu'on peut au champ sans nourriture? Ah, descends, dis donc. Est-ce que la nourriture est où? Madame, ta route est là-bas. Ah. Qui marche, pardon, tu perds le temps, mon champ. Regardez votre village, les maisons ne font que se gâter, vous n'arrangez même oh, pas. Oh, je te permets pas, je te permets pas d'essayer de revillage comme Malou, ça. Malou, baisse ton doigt, c'est qui ça? Regarde-moi une nomade comme ça là. Regarde-moi une nomade comme ça. Laissez-la, elle va séduire les bananiers. Oh, papa Nakondengi, ne me parle pas comme ça. Tu vas en vivre, tu vas en vivre. Ne parle pas à mon fils comme ça. Tu as compris? Ne parle pas à mon fils. Tu as mis l'enfant de quelqu'un, non? C'est quoi les Nako? C'est les Nako que tu as mis aux yeux. Non, je suis l'enfant de quelqu'un. C'est quoi, non? C'est quoi, laisse-la. Tu manges comme c'est quoi ça, non? Tu as tout mangé, ça c'est même quoi avec toi, non? Vous n'allez pas déstabiliser le champ qu'on est en train de faire ici. Allons, descendez, allons. Pas, maman, pas. Moi, je n'ai pas mange, de problème avec le champ. Hey, mange. Moi, je n'ai pas de problème. Mange, maman. Mange, quoi? Il y a une jolie que Christ et moi. Ils sont gâtés partout, les vieilles tôles. Version de village. Pas de problème, pas de problème. Tu dis d'abord ça. C'est qui ça? J'espère qu'on peut acheter les yaourts là-bas où on paye. On va acheter un shawarma. Mais c'est quoi ça, non? C'est quoi ça? Tu cherches quoi? Eh, pas ton champ. C'est quoi ça, non? Laissez-vous rappeler. Ah, attends, mais Laetitia, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi? Oh. Si ça te nerve, tu vas encore yaourts. Mais ça, c'est quoi? Non, moi, je ne peux pas comme ça. C'est quoi ça? Un sacre. La poussière. Il faut sacrer. On ne cultive pas encore. Le plus important, c'est de former le rond. Comme ça. Non, ne pousse encore la terre. Va là-bas. Oh. Tu levais la poussière. Moi, on ne peut pas travailler. Je ne peux pas être debout. C'est comment? Ne venez pas ici là décourager les gens. Hein. Voilà, ne me décourage pas. Vous avez mis la poussière. Passez au champ. Je t'explique comment on fait. Celle qui ne veut pas travailler.
Elle monte en haut, elle porte sa valise et me fiche le camp. Commençant par toi, Roxane. Porte ton sac de camarade là. Tu dégages. Ma, pardon, j'ai affaire. Ma, quand ça va grandir, c'est pour soleil que je suis en train de mettre. Qui t'a demandé, qui t'a dit qu'on sème maintenant? Tu sèmes les choses maintenant, tu peux avoir avec. Pourquoi sème, c'est sème, non? Non. Même pas le regarde la voix de Nancy. Il y a les périodes qu'on sème. Actuellement, on ne peut encore rien s'aimer. Pourquoi? Tout ce qu'on met au sol, ce sont les ignames. Même le maïs, on ne peut pas avoir dans un champ. Ça, c'est quelle version de champ, ça? Regarde, c'est quoi ici, là? Ma fille. Voilà le tarot, tu parles. Sème le maïs. Oh, non, mon cabot. C'est quand est-ce qu'on va commencer, quand on va s'aimer le maïs? Maman, là, les ananas. Tu as même testé que comme tu manges souvent les choses pourries, là. Tu vas cueillir ça, tu vas mettre dans l'eau. On appelle ça la logera. Tu mets dans l'eau, tu bois. Là, tout est pépette, tout est pépette, tu vois, t'entends devant les gens. Ma, c'est quoi ça? Ma, tu t'indépendais que de moi. C'est quoi ça, ma? C'est quoi là-bas? C'est quoi là-bas? C'est la banane, c'est le bananier. Voilà ça, le bananier. Ah, le bananier. C'est que j'ai épluché dehors là tout à l'heure. Viens, il faut faire la télé. Comme ça, ça donne. Le team d'un pièce à chier les gars de recrute là. On peut y aller. Vous me faites ma part, vous laissez, vous allez faire pour moi. Là, vous m'avez dit demain, c'est comment? Au camp, oui, enlève, non. Arrête, arrête un peu. C'est quoi? Tu peux enlever la banane. Tu peux enlever la banane là. Cause fort, hein. Cause fort. Oh, non. Hé, qui là-bas? Tu fais quoi? Moi, vous avez dit qu'elle enlève la banane, non? Roxane! J'ai tout ça pour voir ce que tu allais faire. Tu veux comme ça enlever la banane ce soir? La banane, on coupe pour que ça tombe et on enlève le régime. Ça connaît quoi? Prenez me donner la roue et ça va du temps pour parler. Elle est villageoise au village. Prends la matière chez Christian, tu coupes. Christian va couper. Ouais, donne-moi la roue. Christian, tu coupes. Il va couper. Je te fais quelque chose. Le pain est déjà vérifié. Maman, laisse-moi tranquille. Tu veux la chambre, ça te dit pas. Oh, c'est bon, le demain. Christian, coupe la banane la bouche. Ma vie, un peu, non. En tout cas, ça ne dépend que de moi. Comme si les gens se sont ici. On part à la maison, on ferme la porte, on porte même nos choses, on part. Toi, tu es épargné. Toi, tu es épargné. Ma vie, tu ne me mélanges plus avec les gens. Je te mélange. Les gens, ce sont les gens. C'est ta famille, ce sont tes gens. C'est ma famille. Maman, elle a conduit toi. Il faut pas faire une conversation, mais fils, sans que tu te pointes. Moi, c'est sa fille. Il y a les secrets entre nous. Est-ce que tu es venu au champ? Les secrets. Non, tu t'es habillé. Maman, il faut qu'on cause. Je suis en train de t'écouter. Maman, il faut qu'on parle. Laetitia, laisse-moi pardon. J'ai dit que comme on vient ici au champ, on va d'abord essayer d'enlever les herbes. On classe, on fait les biens. Quand la saison pluvieuse viendra, début mars, on sème. Et on cultive les sueurs maintenant là. On est d'accord? Ma, quand toi tu dis on depuis là, c'est avec qui? Moi je peux pas faire le genre de travail ici là. Regarde comment je suis déjà sale. À peine quitté la maison. Allons libère le village des gens, dis donc. C'est même qui ça? C'est quand tu as mis au pied là, non? C'est quoi les biens, les sions que tu disais là? Le bac que tu as eu là est douteux. Tu me suis, non? Tu as eu un bac douteux. Non, voilà, je suis sûr que tu as fait le structure dans la position. Tu n'as pas eu le bac. Laisse-moi te dire qu'au lycée, on enseigne les gens à être secrétaire, chef d'entreprise, voilà. Médecin. On enseigne. Ah, ferme ta bouche, tu as fait quoi avec? Dis ça, c'est quoi? Tu dis toi-même ta longue bouche. Est-ce qu'on enseigne les gens à travailler au champ? Maintenant, tu vas apprendre. Moi-même, je suis ton professeur pour les champs. Voilà. Tu as compris? Les gens qui ne sont. Donc, vous êtes zéro à Yaoundé. Vous venez ici faire comme si vous étiez 10. Non, voilà. Les chiens, non, là, au moins zéro. On est tous moins zéro. Tu n'es encore dans la liste. Je ne te parle on est ici. Je ne te parle même pas. Pèse. On va dans ton village. On voit aussi de quoi tu es capable. Dans mon village, on travaille sur le goudron, ma chérie. Laetitia, suivez-moi. Le goudron. Vous allez pas là-bas. Venez, suivez-moi ici. Là. Suivez-moi. Vous venez là-bas quand c'est à propos. Vous êtes content. Venez ici. Ah, où tu pèses même d'abord? Je ne sais pas là-bas. Tu veux que je dise? Tu travailles au champ. Tu travailles au champ. Et
Si ça va bien, j'ai apprécié ton cravalement depuis là-bas, de l'autre côté dans notre champ. Et puis comment tu coupes bien les herbes là, tu coupes ça bien. Merci. C'est bien, hein. Ça va. Regarde, non. Je suis venu pour ça avec mes soeurs là-bas. Ils ne savaient pas que je suis venu ici. Et que j'ai vu, c'est que mes yeux ont tourné, il y avait le cœur, c'est ça là. C'est toi seulement que je voyais dans mes yeux. Ah bon? C'est bien, non. Mais c'est moi, comme c'est moi, ça, tu me sers. C'est comme les choses qu'on voit à Nové là, là, non? Tu vois, voilà, tu es bien, allez. Tu es engagé la ville, non? Oui, c'est un gars de la ville. Il m'a dit, parce que non, les gars du village, ça, non, il n'aime pas moi, les gars du village. Ça, les pingouins. Oui, c'est pas que tu es un gars de la ville que tu me plais beaucoup. Mais hey. C'est encore fort. Appuie ma faupille, appuie. Oh. C'est bien ta patrie sur mon ventre. Oh. Et puis, je vais t'amener en ville, tu as compris, non? Il pue. Allons à côté, je suis là comme ça. Contourne ici, là, contourne. Voilà. C'est que. C'est le gars ici au village. Moi, mais je suis ça depuis. Écoutez-moi, c'est une langue, tu vois. Tu connais une langue là. Toi, c'est la langue. Hé hey, c'est quoi? Qu'est-ce qui a frappé sur ma porte là? Encore toi? Hein? Le malhonnête motoman là. C'est lui qui m'a enlevé la dinde dans la bouche. Hein, tu fais quoi ici là? Je suis venu chercher maman Chimène et Laetitia. C'est quoi le problème? Tu cherches pourquoi? Il y a un bandit là qui le cherche. Le bandit là? Oui, j'ai rencontré un bandit là, il m'a demandé la maison, je vais dévier la rue d'ailleurs. Costume comme ça avec le pantalon, Jean? Exactement, avec le chapeau derrière comme ça. Tu vois qu'il insiste? Il insiste. La rue là, je lui ai dit que je vais me dévier plutôt une autre route là, le temps est venu maintenant annoncer. Ah ok, tu as bien fait. Tu as bien fait. Oh, le bandit là! La porte est fermée. C'est comme si elles sont parties au champ. Ok, il faut transmettre la nouvelle. Moi, oui, je vais prendre vraiment soin. Le bandit là, il fait que je... Vous êtes venu au village avec les bandits. Les bandits au village. Il y a les bandits que vous cherchez. Quel bandit encore? Un grand bandit. On a fait quoi? Je l'ai invité. Il ne fait que retomber. Il est costaud comme ça là. Il me dit qu'il cherche Laetitia. Hey. C'est toi qui as mis les bandits dans ce quartier. Je n'ai pas peur. Tu as mené les bandits dans ce quartier. Moi. Il te cherche. Moi, je marche avec les bandits. Costaud comme ça là. Avec le pantalon jean. Les muscles sont durs comme cela. Il a failli même me taper sur moi. Attends, il est fou. Les filles. Son patron était des trolls. Voilà, il est pas lui là. C'est lui. Donc, un bandit. Mais tu as donné son nom? Non. Il ne m'a pas donné son nom. Il m'a dit qu'il est le père de l'enfant de Bétis. Il est le père de Bétis. Il est là-bas.
Gosho. Gosho. Ouvre ma ta soeur. Tu te prends. Ma soeur, comment, maman? C'est ta soeur, tu ne connais pas ça? Oui. Magna. Non, tu ne connais pas ça, c'est ta soeur. Magna. Non, maman, tu te fais quoi? Tu fais quoi ici? On a travaillé là-bas, toi, tu es ici, tu fais quoi? Tu travailles au champ. Tu te travailles comme ça, là? C'est même quoi qui m'arrive, non? C'est un péché d'accoucher. Tu as dit que je n'étais pas ton nom. Hein? Que je ne pouvais pas t'accoucher, non? Que je suis un gigolo. Un ambassadeur. Et maintenant, tu veux monter sur ma fille. Ta soeur. Tchangou comme vous. Magne. C'est pas pour ça. Business production. Mais qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu portes autour de ton cou? Un collier, celui que tu m'as offert. Et il coûte combien? 370 000. Justement. C'est ça le plus important. Et occupe-toi de ce qui te regarde. Ah. Oh les yeux, imagine-toi. Ouvre les yeux, imagine-toi. Le soleil, la plage et le sable. Que c'est chaud, c'est doux. Que c'est chaud, c'est doux. Tu serais mieux étant ma femme. Tu serais mieux. Pensez à ce que je t'ai dit la dernière fois. Mais ça ne va pas. Vous osez me faire la cour en plein hôpital alors que mon petit ami est juste allongé là mourant. Vous avez un cœur de pierre. Et c'est avec ce même cœur que vous prétendez l'aimer. Une femme aussi belle que toi peut transformer la pierre la plus dure du monde en fleur. Tout ce que je veux, ce n'est qu'un rendez-vous avec toi. Et tu me dois ça quand même. J'accepte. Hein? 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 J'accepte de t'épouser. Ah mais voilà! Voilà! Viens, viens. C'est à cause d'elle que tu n'as plus mon temps, n'est-ce pas? Je crois que je vais vous laisser. Assieds-toi! Singhi, non! Ne me repousse pas, s'il te plaît! Aujourd'hui, toi, tu es mariée. Désormais, tu m'appartiens plus. Laetitia, tu es mariée. Tu es la femme de quelqu'un. La vérité est juste que je t'aime toujours, Singhi. Tu l'avais nu et je ne le supporte pas. Monsieur, votre femme, personne ne la discute avec vous. Tu n'as donc rien compris, jeune homme. Tu dois mourir. My name is Mopao. Mais vous m'avez déjà tout pris. Vous m'avez pris ma femme. Qu'est-ce que vous me voulez encore? Ta vie. Ma vie? Pourquoi? Tu connais avec exactitude toutes les courbes de ma femme. Vous êtes un gros malade. Pour que tu comprennes mieux mon petit, je dois être le seul sur cette terre à avoir vu ma femme nue. My name is Mopao. Tu es la plus belle femme que connaît ce beau monde. Ma chérie, laisse-moi t'aimer. Te chéris, te chouchouter, ah oui. Tu es la plus belle fleur de mon jardin et le meilleur cadeau que la vie ait mais jamais offert. Magnifique. Hey, non, mon beau, c'est de moi. Non, mon beau, le champion. Mademoiselle a quitté les carabottes pour habiter dans la villa. Elle ne mange que des gambas. Dans la vie, y'a pas de hasard. Est-ce que ce n'est pas mieux ça, jeune homme? Est-ce que ce n'est pas bien ça, petit? Ton ex, c'est ma femme.
son homme.